quatre galons. 20 ans de service. J'arrive pas à le croire. Vous allez voir cette heure-ci, maman? Au presbytère, ma confessée. Pourquoi, madame Blou? D'avoir laissé entrer un ministre protestant dans ma maison. C'est pas de votre faute, maman. Je suis responsable de ma maison. Votre femme va bien? Oui, je... oui, madame. Vos enfants? Le petit pousse une première dent. Ça va bien. C'est cette humeur qui rend comme ça. Elle endure un martyr. Elle endure un martyr de me voir ici. Plus ça va, plus elle veut que je m'en aille. Comment ça va, mon vieux? Je dois faire des promesses que j'aime pas faire et que d'ailleurs, je n'aimerais pas. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de femme dans ta vie? Rita trouve que t'as beaucoup de charme. Tu l'as envie de mon Denis. Je suis trop jeune pour être comme une petite. Alors, si je comprends bien, toi, tu files le grand amour. Avec un grand A. Je sais pas. Mais je sens que ma voix sera particulièrement en forme ce soir. Tu m'as même pas invité à ton concert. Non, écoute, Denis, si t'es là, tu vas me paralyser. T'as l'esprit trop critique. Le tonnerre tombe jamais dans la paroi. S'il y a trois paratonnerres installés sous le toit de l'église. Où tu m'amènes, alors? Une espèce de petit vicieux. Cette année de l'opéra. Faut que je retourne, moi. Quand un vite chante, il voit rien puis il entend rien. Il ne percevra même pas que t'es parti. Non. Tu m'as fait très mal. Assoyez-vous à la table et faites comme si de rien n'était. Ça, c'est bon pour préparer son lit. Ouais. Pas un drapeau, pas de banderole, rien. Ça fait chenu. Non, ça fait chenu, ça fait chenu, c'est vrai. De la neige éternelle à Québec. Nous autres, ça fait 20 ans qu'on respire ça. Mais le roi et la reine ont le nez délicat. La pression de la pression. Vous voulez vos noms dans le journal? Hey.
après le pain. Fandrol ne prend qu'un seul L. Ta grand-mère, mon petit gars, ta grand-mère. Merci, monsieur le curé. Mais sans cœur. Essayez pas de faire autrement. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame Blouf. Si vous vendiez des places, votre galerie vaudrait cher aujourd'hui, hein? Une vraie loge royale. Mon mari est en dedans. Merci. Salut, les amoureux. Salut, Denis. Romain? Romain, c'est Jeanne Duplessis. Elle avait bien hâte de te connaître. Enchantée, mademoiselle. Bonjour, madame. Le moment t'a choisi une place à côté d'elle. Tout s'est creux, mademoiselle. Un rhume à ce temps-ci d'année, c'est surprenant. Ça affiche des fois, hein? Bonjour, mademoiselle. Et bienvenue. Vous êtes ici. C'est mon mari. Merci, monsieur. Dans son temps, mon père était un grand champion cycliste. Oh, champion, champion. Champion de Québec et des environs. Bon, les gars, là, vous allez me faire ça comme il faut, là. N'oubliez pas l'attaque. Toi, Jean-Guy, debout. Debout, Jean-Guy. Allez. C'est pas Napoléon avec son petit salaire de plombier qui pourrait vous payer ça. C'est du crêpe de chine. C'est du linge que ma bourgeoise porte plus. Ah, comme ça, vous êtes servante. On est 10 enfants chez nous, madame Plouf. Je suis la plus vieille. Bien que je gagne un peu d'argent. C'est pas toutes les filles qui acceptent de bon cœur de se sacrifier. C'est pas le rôle des foins, ça, mademoiselle. Vous devriez vous faire examiner, on sait jamais. Et la grume, Jeanne. Le meilleur de la paroisse, ça me manque. J'en fais pour le supérieur de vie de monastère. Il peut plus s'en passer. Je peux pas dire que je suis une mère sans cœur. Va chercher ta femme et tes 5 enfants, Onésime, ou bien monte pas. Mais, madame Plouf, je vous ai attrapé un beau rouge-gorge. Pour vous, c'est un mâle. Il chante bien. Va chercher ta femme. À moi. Je le garde. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
C'est un de mes paroissiens, je réponds de lui. Bon, il n'a pas fait ça pour mal faire. What's that? Bon, vous parlez pas français, vous? Non, 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 Michel, what do you say? Father, you're just gonna have to leave. It's concerned. Him is a good boy. I order you to give liberty to Guillaume Bloch. Understand? Father, you're just gonna have to leave. Il y a juste vous autres, la police provinciale, qui pouvait régler ça, ils parlent même pas français. Ok. Sergent Seneca de la police provinciale. Everything is all right. I'm taking charge. Tassez-vous les autres. Tournez chez vous. Mais c'est ça. Tournez la maison. Tournez la maison. Jean? C'est aujourd'hui à 2h cet après-midi plus précisément que les éclaireurs des Reds de Cincinnati devront subir à Guillaume... Hey, écoutez ça, les bluffs! Une épreuve publique qui, nous n'en doutons pas, ajoutera un autre brillant fleuron à sa couronne et fera grandir dans les cœurs de ses admirateurs une confiance que notre jeune héros continuera d'alimenter pour des années à venir. Dans la Grande Ligue américaine, Guillaume va gagner 500$ par semaine, au moins. 500$? Ah, oh, ben bonne scène-là. 500$ par semaine, lui. Quand moi, j'en gagne 18 comme réparateur spécialisé, 18$ par semaine. Je pense que je vais mourir de rire. C'est ça, merdon. Ben, Guillaume est heureux ici. Pourquoi il partirait? Il n'y a pas que l'argent qui compte. Ben, maman, résignez-vous donc. Guillaume, il est prêt pour les majeurs. Ben, je vais venir le chercher avant. Ah, voyons donc. Arrêtez donc de penser à la guerre, mon père. C'est du monde intelligent en Europe. Ils sont chicanés, mais ils vont finir par s'entendre. Quand je pense, j'ai attendu ce jour-là toute ma vie, puis je pouvais pas être là. Dis-lui bonjour pour moi. L'heure de visite tombe en même temps que ton test. Et toi, à ma place, c'est la première fois que je la vois. Vas-y, vas-y, ça changera rien à ma performance. Je te le répète, hein. Approche-toi pas trop de son lit. Mind the door! Attention, pas! Mais c'est avec du congrès! Le contrat est signé! Nous autres, les blouses, quand on veut, on peut! N'importe quoi! N'importe quoi! Youpi!
un homme 9h30 à 3h l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre! C'est la guerre! Bien la garde que tu l'es, hein? Mais tu t'inquiètes. Hé, sortez de là! Sortez! Avenez, avenez! Touchez pas, là! Veux-tu les traîner? Oui! Touchez! Vous Cécile, les... vas-y pas! Les enfants, je vous ai dit de sortir de là! Allez, allez! Du nickelé, du cuir partout. Ça, ça sent le neuf aussi. Plus de maudite cloche à pied. Incroyable comme un bateau. Plus de rail, c'est ça la liberté. Où tu m'amènes? Partout! Hey, écoute le son du moteur. Hein? Comme la musique. Ah, mais quelle heureuse coïncidence! D'accord, Rita, alors on se revoit. Mais je croyais au monastère? Non, on change, tout change. C'est ça la beauté de la vie. Je vous rencontre par hasard, c'est ça qui est merveilleux. Moi aussi, je prends beaucoup de coïncidences. M'en voulez-vous encore, Ovid? Vous en vouloir, mais de quoi? Ben, j'étais plutôt pas folle, vous savez. Non, mais non. Vous savez, à ma manière, j'ai pas été fin, moi non. Mais depuis, j'ai appris bien des choses. J'ai changé. Et moi donc? Ovid, c'est pas une coïncidence. Vous êtes venu exprès pour me voir, hein? Oui, c'est vrai. Mais on parle, vous allez rater votre autobus. Moi, un autobus, il y en a d'autres. Je suis si contente de vous revoir. Anita, je vois que vous êtes devenue une femme accomplie. Ça mérite un petit bec. Justement, si je vous invitais au château ce soir. Danser? Oui, au château Frontenac. Danser avec un super aller? Oui, on boira un peu, ce sera agréable. C'est une vraie invitation. Mais oui, Rita, une vraie invitation. Mais quelle robe j'ai portée, moi, ma bleue ou ma verte avec du vernis? Peut-être une petite robe blanche avec des souliers rouges. J'ai tellement hâte à ce soir. Cheerio, Abid. Partie vacarme.
avoir la chambre avec moi. Si tu dis que c'est celle-là que je loue. Une pièce par semaine, tant pis. Ça m'énerve, non? Et si ça t'énerve, sinon je ne fais pas plaisir. Et ton père et ta mère vont m'en vouloir à mort. Ils me pardonneront pas. Mais comprends donc, c'est une nouvelle vie pour nous autres qui commence. Cette chambre-là, je la prends pour nous deux, même si tu ne couches pas là. Ta femme veut plus des oiseaux, t'apportera toutes les cages. J'aime ça, mon nourrir des oiseaux. C'est toi qui m'as appris à aimer et à soigner. Dis oui, il y a des hommes bien, moi, ma chambre. Si t'en as tête où tu ne décèdes pas, je t'avertis, je fais pas ton circuit une troisième fois. C'est décidé, c'est non. Bon. Dans ce cas-là, arrête l'autobus. Cécile, t'as pas la folle. Tu n'en verras plus jamais, les yeux. Ouvre la porte. Heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parler à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense et qu'ils disaient de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vinrent les années de vent mauvais. À table, il y eut des chaises vides, aux yeux vinrent les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va. Pareil aux glaces dans le Saint-Laurent, on fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours. Pareil au fleuve dans son cours, et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense et clair et juste et merveilleux. Un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait